Ok, I return on French. Donc, ce soir, on va voir l'augmentation de sinus maxillaire. A-t-on besoin de matériaux de comblement? Donc, l'essor de l'implantologie au cours de ces deux dernières décennies n'est plus à démontrer. L'engouement de plus en plus important vis-à-vis de cette discipline ou de cette compétence a permis son développement tant sur les plans cliniques que technologiques. L'utilisation des implants dentaires sont de plus en plus fréquents. Ils font partie de notre arsenal thérapeutique de routine avec des taux de succès des implants qui dépassent actuellement les 95%. Néanmoins, cette cavité sinusienne a longtemps été la bête noire de tous les chirurgiens dentistes. Donc, on a plutôt aussi considéré que ce sinus était le territoire des ORL et qu'il valait mieux pas ne pas s'y aventurer. Force est de constater qu'actuellement, ce n'est plus le cas, que le sinus maxillaire est actuellement perçu comme une zone de rencontre interdisciplinaire et que tout chirurgien dentiste actuellement pourra faire des comblements sinusiens. Ceci s'est fait grâce à l'implantologie, donc grâce à l'implantologie tout chirurgien dentiste devrait avoir des compétences de comblement sinusien et il ne faut pas oublier que l'implantologie répond avant tout à une demande de nature prothétique. Donc ce soir, on va, durant cette conférence, on va voir trois parties. Donc on va tout d'abord commencer par nous familiariser avec le maxillaire postérieur. Ensuite, on va voir de quelle manière on pourra aborder le sinus maxillaire. Et finalement, on va essayer de répondre à la question, a-t-on besoin de mettre un comblement, de mettre un matériau de comblement à l'intérieur du sinus. Donc, ce sinus, c'est une cavité pneumatique. Et c'est certes la cavité pneumatique la plus volumineuse du massif facial, vu que son volume varie de 5 cm cubes à 20, voire même 30 cm cubes. C'est une cavité de forme de pyramide quadrangulaire avec un sommet postérieur, avec une paroi sup, une paroi médiale, une paroi latérale et un plancher. Et bien sûr, ce sinus est tapissé par une membrane qu'on appelle communément la membrane de Schneider. Donc, ce qu'il faut savoir à propos du sinus maxillaire, c'est certes sa vascularisation, les pathologies, mais en plus cette membrane sinusienne. Donc cette membrane sinusienne en fait ressemble beaucoup à la muqueuse nasale. Elle est tapissée par un épithélium pseudo-stratifié avec des cellules ciliées et des cellules muqueuses qui reposent sur une membrane basale. Ensuite au-dessous il y a la lamina propria avec des fibres de collagène et des fibres élastiques. Et puis, sous ce conjonctif ou cette lamina propria, il y a une espèce de membrane, une espèce de séparation entre ce conjonctif et l'os qu'on appelle par abus de langage périoste, puisque ça ressemble à, histologiquement à un périoste et aussi fonctionnellement à un périoste. Donc, il est intéressant aussi de voir les propriétés mécaniques de cette membrane sinusienne puisque ça va influencer la manière dont on va élever cette membrane. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours pensé que c'est une membrane fine. Oui, elle est fine puisque l'épaisseur varie entre 0,3 et 1 mm avec une moyenne de 0,97 plus ou moins 0,36 mm. Cette membrane est attachée au périoste avec une force moyenne d'adhésion de 0,5 newton par millimètre carré. Donc vraiment, il faut une petite force pour pouvoir la détacher des parois osseuses. Cette membrane est aussi
ne peut pas être étiré de plus de 124,7% de sa taille originelle, ce qui veut dire qu'elle n'est pas élastique et que une force directe au niveau de cette membrane va bien sûr causer sa perforation. Donc une étude in vitro a montré que la perforation de la membrane a lieu à une tension de 7,3 newton par millimètre carré. Donc cet écart entre la force d'adhésion et la force qui va provoquer cette perforation de la membrane est plutôt important, mais ceci n'empêche pas que les perforations de la membrane peuvent arriver puisque le clinicien va d'une part utiliser des instruments manuels qui ne nous permettent pas de contrôler cette force de décollement de la membrane, mais en plus on est en train d'agir dans une cavité qui est plutôt une zone de travail qui est étroite. Donc, comme on vient de le dire, il y a une grande influence de l'épaisseur de la membrane sur le risque de perforation. On penserait que les membranes fines sont plus susceptibles aux perforations. Oui, ce sont les membranes fines qui se perforent, c'est-à-dire moins de 1 mm, mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les membranes épaisses de plus de 2 mm ont aussi un risque plus important de se perforer. Il y a aussi une étude de Amity et al. En 2008 qui est intéressante, qui dit qu'il y a une corrélation entre le biotype parodontal du patient et l'épaisseur de la membrane. C'est-à-dire, si mon patient a un biotype fin, sa membrane sera fine. Et s'il a un biotype épais, eh ben, c'est l'épaisseur de la membrane qui est idéale. Pour la levée de sinus. Donc apparemment, j'ai un problème. Donc, on va ensuite aborder la vascularisation du sinus. Ce qu'il faut savoir, il faut plutôt se pencher sur la vascularisation de la paroi latérale du sinus. Donc, cette paroi latérale est vascularisée par deux artères essentielles qui sont l'artère alvéolaire postérosup et l'artère infraorbitaire et qui sont toutes les deux des branches de l'artère maxillaire. Donc, ces deux artères vont effectuer deux anastomoses, une anastomose intra-osseuse et une anastomose extra-osseuse. Donc, pour l'anastomose extra-osseuse, c'est celle qui vascularise le périoste, le périoste de la paroi latérale et la gencive vestibulaire. Donc, cette boucle extra-osseuse est beaucoup plus volumineuse en postérieur qu'au niveau antérieur. Donc, pourquoi tous ces détails concernant la vascularisation? Parce que ces informations vont influencer notre manière d'aborder le sinus. Et c'est la première étape d'aborder le sinus, c'est le lambeau. Donc, il faut à tout prix éviter de faire des décharges postérieures pour éviter déjà de tomber sur le rameau épais de cette anastomose. Et en plus, pour éviter de sectionner l'apport vasculaire qui vient bien sûr postérieurement. Donc, plutôt, il faut opter pour une décharge antérieure en distale de la canine. Il faut aussi privilégier une incision crestale déportée du côté palatin pour pouvoir inclure au niveau du lambeau des vaisseaux palatins qui, eux, proviennent de l'artère grande palatine. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une anastomose intra-osseuse. Donc, cette anastomose intra-osseuse, elle est plutôt plus crâniale que l'anastomose extra-osseuse. Et cette anastomose intra-osseuse, elle est constante, elle est aussi volumineuse. Et c'est ce qu'on appelle
tous l'artère alvéolo-entrale. Donc, cette artère alvéolo-entrale a un diamètre qui varie de 0,5 mm à 2,5 mm. Elle est identifiable au niveau des du scanner ou du cone beam dans 52,9% des cas. Si jamais il s'agit bien sûr d'un patient qui est âgé, ça se pourrait que la diminution de son diamètre rendrait son identification sur le scanner un peu difficile. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette artère ou cette boucle intra-osseuse, cette artère alvéolo-entrale, se situe à 16 mm de la crête osseuse en moyenne. Cette artère aussi alvéolo-entrale peut avoir différentes situations ou différents trajets. Elle peut être en plein os au niveau de la paroi latérale, ou alors elle peut suivre un sillon creusé à la face externe de la paroi sous le périoste, ou alors carrément elle va être accolée à la membrane sinusienne. Donc comme sur ce schéma, soit directement dans l'épaisseur de l'os ou sous le périoste, ou alors accolée à la membrane. Donc dans la première situation, c'est la situation la plus délicate. Dans ce cas, il faudra bien positionner la fenêtre osseuse ou alors disséquer à travers l'os qui est un petit peu très difficile, très difficile. Dans les deux derniers cas, c'est gérable, et surtout dans le troisième cas où elle est accolée à la membrane sinusienne, et ben, lors de l'élévation de la membrane sinusienne, cette artère alvéolo-entrale va partir avec va être levée avec la membrane sinusienne. Donc tous ces détails sur le plan anatomique influencent beaucoup notre manière d'aborder chirurgicalement le sinus, et notamment la gestion de la fenêtre osseuse. Donc le positionnement de cette fenêtre osseuse va beaucoup dépendre de la taille et de la position de l'artère alvéolo-entrale. Généralement, il faudra positionner notre trait supérieur d'ostéotomie au-delà, en deçà de la position de l'artère alvéolo-entrale. Donc, comme un petit peu sur ces coupes coronales de cone beam, donc où on a pu repérer l'artère alvéolo-entrale qui est très loin de la crête osseuse, voire même à plus de 16 mm, et cette artère alvéolo-entrale a un trajet intra-osseux. Donc, pour aborder ce sinus latéralement, la fenêtre osseuse va obligatoirement se situer en bas par rapport à cette artère alvéolo-entrale pour éviter de la léser. En fait, la rupture de cette artère alvéolo-entrale, bien sûr par accident, n'engage en aucun cas le pronostic vital du patient, mais elle complique grandement le déroulement de l'intervention. C'est pour cela qu'il faut très bien étudier le positionnement de cette artère et en conséquence positionner la fenêtre osseuse. Donc, à côté de la vascularisation, ce qui est aussi important, c'est les septums ou les septas qui peuvent se trouver à l'intérieur du sinus. Ils peuvent être uniques ou multiples, ils peuvent être verticaux ou horizontaux, ou alors ils peuvent parcourir des trajets assez importants à l'intérieur du sinus et peuvent même aboutir à des sinus cloisonnés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la présence d'un septum va augmenter le risque de perforation de la membrane de plus que la moitié. Donc, encore une fois, le positionnement de la fenêtre osseuse va dépendre de la présence de ces septums au niveau du sinus. Donc, ensuite, il y a aussi, deux implications pour ces septums. Ces implications sont d'ordre technique. Comme je l'ai dit, leur localisation va augmenter la difficulté de la chirurgie, mais le point positif de ces septums, c'est qu'ils constituent une source additionnelle ostéogénique pour
accélérer la formation de l'os à l'intérieur du sinus. Donc, pour illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire, là, il s'agit d'une patiente sur une coupe panoramique. Eh bien, on remarque qu'il y a deux septums du côté maxillaire droit, là où on va faire notre réhabilitation implanto portée. Chez cette patiente, donc, on va avoir besoin d'un sinus lift par voie latérale. Donc, il faut réfléchir concernant le positionnement de la fenêtre osseuse. Donc, heureusement, au niveau derrière le septum, le deuxième septum, on a assez d'os, donc on n'a pas besoin de lever le sinus de ce côté. Mais par contre, au niveau antérieur, il va falloir se positionner au-dessus du petit septum osseux et de faire attention lors du décollement de la membrane sinusienne. Il faut aussi s'attarder sur la pathologie, un petit peu sur la pathologie du sinus. Donc, il faut toujours pousser l'interrogatoire concernant les antécédents de sinusite des patients, puisque toute pathologie au niveau du sinus va affecter les résultats de la chirurgie. Donc, par exemple, chez ce patient où, franchement, il n'avait aucun symptôme ni d'antécédent de sinusite, mais lorsqu'on demande le CONBIM, on est surpris par ce comblement énorme du sinus du côté droit. Donc, on adresse obligatoirement ce patient chez son ORL avant de programmer notre chirurgie. Et heureusement, c'est une simple antibiothérapie a permis de revenir à un état de sinus sain avec un aspect radio clair, et c'est là qu'on pourra programmer notre intervention. Donc, à travers cette diapo, on essaiera de répondre à la question « Est-il possible de prévoir à l'avance la difficulté de mon intervention sinusienne ?» La réponse est bien sûr oui, on pourra bien sûr prévoir à l'avance la difficulté, et ceci en s'attardant sur les points importants à contrôler au niveau de l'imagerie. Donc, sur cette image, on a pratiquement tout ce qu'on devra voir sur le CONBIM. Donc, on a bien sûr la hauteur osseuse, la hauteur sous-sinusienne résiduelle. Sous-sinusienne résiduelle, c'est l'élément le plus important, c'est l'élément qu'on regarde en premier, mais aussi on va voir la corticalisation de la crête osseuse, on va aussi voir la corticalisation du plancher sinusien et la densité de l'os au niveau de la région où on va intervenir. Ça, c'est en 13, 14 et 15. Ensuite, on va voir s'il y a une éventuelle pathologie au niveau du sinus. Ça, c'est en 2. Ensuite, en 3, on va voir s'il y a des septums, puisque comme on a dit, la présence de septums complique l'intervention chirurgicale, ne contre-indique pas l'intervention chirurgicale, mais il la complique. Et ensuite, en 5 et en 4, on va voir s'il y a des éventuelles lésions périapicales au niveau des dents qui bordent la zone où on va faire la chirurgie, ou s'il y a des problèmes parodontaux. En 6, on va voir l'épaisseur de la membrane sinusienne, que ce soit sur les coupes panoramiques ou sur les coupes coronales. Donc, sur la coupe coronale, on va aussi voir l'épaisseur de la paroi latérale du sinus en 7, ça. Donc, pourquoi donner de l'importance à l'épaisseur de la paroi latérale? Puisque ça va influencer la profondeur de notre trait d'ostéotomie. Donc, si on sait que cette épaisseur est de l'ordre de 3 à 4 mm, il faut savoir que nos inserts piezoélectriques vont être introduits à une profondeur de 3 mm, et c'est là qu'on va s'approcher de la membrane et qu'il faudra commencer à faire attention lors de l'ostéotomie. En 8, c'est
l'artère alvéolo-ventrale, et là, elle a une position limite entre le périoste et la membrane sinusienne. Ensuite, il y a deux angles très importants qu'il faudra déterminer. Ce sont les angles alpha et bêta. Donc, alpha, c'est l'angle entre la paroi latérale et l'angle formé entre la paroi latérale et la paroi médiale. Et plus cet angle est ouvert, plus c'est simple de faire notre sinus lift. Plus cet angle est en V, plus il sera difficile d'accéder avec les instruments et de décoller la membrane sinusienne. La même chose pour l'angle bêta, qui est l'angle formé entre la partie nasale de la paroi médiale et la partie palatine de la paroi médiale. Et cet angle, lorsqu'il est ouvert, c'est simple d'accéder, de faire le sinus lift. Lorsqu'il est fermé, c'est un petit peu plus délicat. Ensuite, il faut aussi voir la distance en 11, la distance delta. Et cette distance, elle nous donne une idée sur la profondeur du sinus, sur le volume du sinus et par conséquent sur la quantité de matériaux de comblement qu'il faudra préparer pour le comblement sinusien. Donc, pratiquement, il nous reste le 12. Le 12, c'est la largeur mésiodistale sur laquelle on va intervenir au niveau du sinus. Donc, voilà. Une fois on a pris connaissance de tous ces paramètres, soit sur des coupes panoramiques ou sur les coupes coronales, là, on pourra, bien sûr, voir s'il s'agit d'une chirurgie qui est relativement simple ou si c'est plutôt délicat et intime ou alors compliqué. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie et c'est de quelle manière on va aborder le sinus. Donc, comme vous le savez tous, la première fois qu'on a commencé à parler de sinus lift, c'est avec Tatum en 1976 dans un meeting d'implantologie aux USA. Et ce n'est qu'en 1986 qu'il y a eu la publication des approches latérales et crestales et la présentation d'instruments spécifiques pour cela. Ensuite, il y a eu Boyle en 1980 qui a présenté la technique du trapdoor ostéotomie pour l'approche latérale du sinus. Et finalement, Summers en 1994 a décrit l'approche crestale du sinus et a commercialisé les fameux ostéotomes de Summers. Donc, avant de choisir la technique d'abord du sinus, il faudra bien sûr classer ce sinus. Il y a différentes classifications qui vont nous permettre de choisir la technique de sinus lift. Il y a la classification de Nitsch, la classification de Chiappasco, de Nutrois, de Simian et de Wang et Katranji. Donc, on va un petit peu détailler la classification de Chiappasco de 2003 parce que Chiappasco prend en considération trois paramètres pour classer les sinus maxillaires. Ces trois paramètres sont la hauteur osseuse infrasinusienne, la largeur osseuse infrasinusienne, mais aussi la hauteur interarcale. Et pour ne pas être trop long, en résumé, si cette hauteur interarcade est conservée, donc soit que la largeur est bonne et la hauteur elle est entre 4 et 8 mm, et là on va poser normalement nos implants, c'est la classe A. Sinon, au niveau de la classe B où tout est bon, la hauteur est bonne, la hauteur interarcade est conservée, mais que la largeur fait défaut, dans ce cas il faudra reconstruire l'os dans le sens de la largeur et ce n'est pas avec un sinus qu'on va le reconstruire, c'est plutôt avec une greffe d'apposition ou une régénération osseuse guidée. Si par contre la largeur est conservée, la hauteur interarcade est conservée et qu'on a une hauteur sous-sinusienne inférieure à 4 mm, là on va avoir recours à un sinus lift avec un abord latéral. Ensuite, si
cette hauteur sous-sinusienne est inférieure à 4 mm et la largeur est inférieure à 5 mm avec une conservation de la hauteur interarcade, il faudra reconstruire dans le sens vertical avec un sinus lift et dans le sens latéral avec une greffe d'apposition ou une régénération osseuse. Mais dans les cas E, F et dans les cas qui vont suivre, lorsque la hauteur interarcade n'est pas conservée, qu'elle est plus importante, dans ce cas, on a un déficit dans le sens vertical. Et lorsque la hauteur sous-sinusienne est conservée, c'est-à-dire de 4 à 8 mm, dans ce cas, la construction va se faire, dans le sens vertical se fera au dépens de la crête, c'est-à-dire avec une greffe d'apposition et non pas avec un sinus lift. Que ce soit dans le cas où la largeur elle est conservée, ou alors si la largeur elle n'est pas conservée, il faudra reconstruire aussi bien dans le sens vertical que dans le sens horizontal. Donc, et puis finalement, c'est la classe I qui est la plus embêtante, où il y a un décalage transversal important, et là c'est du ressort de chirurgie avancée, notamment les chirurgies de Lefort. Ensuite, il y a la classification de Simian. Alors, Simian prend en considération deux paramètres. C'est seulement la hauteur osseuse sous-sinusienne et la distance entre le bord de la crête osseuse et la jonction émail-sément. Donc, si cette distance entre la crête osseuse et la jonction émail-sément est de 3 mm, si la hauteur résiduelle est de 6 à 7, on va avoir recours à une technique conventionnelle de pose d'implant. Si elle est inférieure à 6 mm, on va avoir un sinus lift par voie verticale. Par contre, si cette distance entre la crête osseuse et la jonction émail-sément est beaucoup plus importante que 3 mm et que la hauteur sous-sinusienne est de 6 à 7 mm, la reconstruction va se faire dans le sens vertical avec une greffe d'apposition ou une régénération verticale et non pas avec un sinus. Donc, lorsqu'on a une augmentation de cette distance entre la crête osseuse et la jonction émail-sément dans la classe D avec une hauteur sous-sinusienne inférieure à 6 ou à 7 mm, on va combiner les deux, c'est le sinus lift et la greffe d'apposition dans le sens vertical. Donc, on va un petit peu appliquer avec ce cas clinique. Donc, là, il s'agit d'une patiente en fait âgée de 55 ans et qui se présente pour la réhabilitation du maxillaire droit, du côté droit. Et cette patiente évoque que lors de l'extraction de la sèse, il y a eu une communication buccosinusienne qui a été gérée par des sutures. Donc, sur le clinbeam, ce qu'on va étudier, ce qu'on va voir tant sur les coupes, les reconstitutions panoramiques ou sur les coupes coronales, c'est qu'on a une rupture au niveau du plancher sinusien et que par rapport aux classifications que je viens de citer, le déficit au niveau vertical et doit être géré à la fois par ou alors est le résultat à la fois de la pneumatisation du sinus mais aussi à la résorption de l'os sous la résorption osseuse sous le sinus, c'est-à-dire dans le sens vertical à la suite de cette extraction qui a été traumatisante. Donc chez cette patiente, si on va relever les points que je viens de citer, là, on a un élément de difficulté majeur. C'est bien sûr la rupture au niveau de du plancher sinusien et aussi on soupçonne un accolement entre la membrane sinusienne et le périoste. Autrement dit, le décollement sinusien ne va pas être facile et qu'il va y avoir obligatoirement une perforation lors de la membrane sinusienne lors du sinus lift, que comme on ne pourra pas mettre immédiatement les implants, il faudra mettre un matériau de comblement
Et si jamais on perfore, c'est plutôt difficile à gérer, surtout si la perforation est très importante. Donc, tout ça a été expliqué à la patiente. Donc, vu cette difficulté opératoire et les risques de complications au niveau de la chirurgie, mais ensuite en plus les risques post-opératoires, donc on a pu aussi proposer une autre solution, c'est de s'éloigner du sinus et de poser les implants au niveau tubérositaire et au niveau antérieurement, au niveau de la prémolaire, et de gérer cela prothétiquement avec un bridge, un implanto porté. Donc déjà cliniquement au niveau, pour cette patiente, le déficit dans le sens latéral, dans le sens vertical, et aussi la pneumatisation de sinus existe. Donc on est pratiquement pour Simian dans la classe D et pour Carrasco dans la classe G. Donc chez cette patiente, on a réalisé les forages. Et on a quand même essayé de régénérer dans le sens vertical et dans le sens latéral pour un petit peu éviter cette dépression au niveau aussi du pontique, même si ça va pas être une zone d'implantation, mais une zone où il va y avoir le pontique. On a géré ça avec un sticky bone, c'est pratiquement une xénogreffe qui a été mélangée avec des morceaux de PRF et du liquide fibrinogène. En fait, le liquide fibrinogène va conférer à ce matériau de greffe une consistance gélatineuse qui va nous permettre de le déposer au niveau du défaut. Et le tout a été recouvert par des membranes en PRF. Tout est biologique chez cette patiente. Ensuite, on a suturé. Donc, voilà sur la radio la situation avant l'intervention et après la pose des implants. Donc, finalement, comme vous pouvez le voir, l'élément le plus important qui va nous guider vers le choix de la technique, d'abord du sinus, comment aborder le sinus, c'est bien sûr la hauteur de l'os, essentiellement la hauteur de l'os sous le sinus. Donc si cette hauteur est inférieure à 3 mm, ça va être bien sûr un abord par voie latérale avec une pose des implants qui est différée. Donc, il faudra laisser cicatriser pendant 6 mois et réintervenir pour la pose des implants. Si par contre on a 3 à 4 mm d'hauteur osseuse résiduelle, l'abord du sinus se fera aussi par voie latérale, mais on pourra choisir une procédure immédiate, c'est-à-dire une pose immédiate des implants. Si par contre on a plus de 5 mm, on pourra faire un sinus lift par voie crestale. Donc, on ne va pas s'attarder trop sur la manière d'aborder le sinus par voie latérale, mais juste pour vous rappeler, c'est bien sûr le lambeau et les bien placer les incisions comme on venait de le voir dans les diapos précédentes. Faire la fenêtre osseuse. Faire la fenêtre osseuse, soulever la membrane, combler le sinus et ensuite poser les implants. Alors, l'abord par voie latérale présente quelques disons, différences au niveau du protocole. En ce qui concerne d'une part la position des implants, elle peut être immédiate ou différée, mais en plus en ce qui concerne la gestion de du volet latéral de la fenêtre. C'est-à-dire que ce volet latéral après ostéotomie peut être soit repositionné ou alors il peut être basculé à l'intérieur du sinus et faire office d'un nouveau plafond sinusien. Ou alors, il va être utilisé pour
la greffe de sinus mélangée, bien sûr, avec un autre os d'origine, d'autres origines. Ou alors, dans certaines techniques, il va être carrément broyé lors de la préparation ou usé lors de la préparation de cette fenêtre-là. Ce sont les différents protocoles de l'abord par voie latérale. Donc, ce qui est un petit peu matérialisé sur ces photos. Donc, en haut, c'est un abord par voie latérale avec une pose immédiate des implants et le volet osseux a été repositionné en deux. Et ceci, c'est le cas de la patiente qui présente le petit septum au niveau du site, au niveau du site de chirurgie. Donc, chez cette patiente, le volet osseux a été utilisé comme nouveau plafond sinusien. Et ensuite, on a comblé le sinus et on a recouvert par une membrane résorbable. Bien sûr, la pose des implants s'est faite d'une manière différée dans un second temps. Donc, pour le sinus lift par voie verticale, donc bien sûr, la technique originelle a été décrite par Summers et elle s'applique aussi postérieure qui ont une faible hauteur sous-sinusienne, mais aussi qui ont une faible densité osseuse, puisque ces ostéotomes de Summers ont un double rôle, c'est de préparer le site de forage et aussi au fur et à mesure qu'il y aura la préparation du site de forage, une condensation osseuse au fur et à mesure de la progression de ces ostéotomes. Donc il s'agit essentiellement d'un jeu d'ostéotomes qui ont des extrémités ou bien plates, ou bien concaves, ou bien convexes, donc qui ont aussi qui sont numérotés de 1 à 5. Et ce qui diffère entre ces ostéotomes, c'est aussi leur diamètre. Ils sont beaucoup plus larges au niveau près du manche qu'au niveau de l'extrémité, ce qui va permettre l'élargissement du pertuis au fur et à mesure de la progression de l'ostéotome de Summers. Mais ensuite, il va y avoir la fracture de la corticale sinusienne et l'élévation de la membrane. Ensuite, il va y avoir la partie qui concerne la greffe de l'os et le positionnement de l'implant. Il ne faut pas oublier que dans cette technique qui a été décrite par Summers, il y a le fameux maillet. Et croyez-moi, c'est vraiment une expérience qui est décrite comme désagréable par les patients à cause de ce tapotage sur les ostéotomes de Summers. Mais en plus, le point négatif de ces ostéotomes, c'est qu'il résulte en une fracture au niveau du plancher qui est relativement large, qui pourrait compromettre l'accrochage de l'implant et par conséquent sa stabilité primaire. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de techniques de sinus lift minimalement invasives par voie, que ce soit par voie crestale ou par voie latérale. Donc, par voie crestale, c'est généralement le kit SCA de chez NeoBiotech qu'on va voir ce soir. Donc, c'est plutôt un kit qui est ergonomique, qui se présente d'une manière ergonomique. Il y a une partie où il y a les stops. Ensuite, il y a le S-Rimmers avec différents diamètres, il y a le foret initial et ensuite il y a les instruments de greffe qui sont de greffe osseuse qui sont le bone carrier, le bone condenser, le bone inserter et le bone speeder. Et en plus il y a cette jauge de profondeur. Donc comme je l'ai dit, le S-Rimmer c'est l'acteur principal de ce kit de sinus lift crestal. Donc, en fait, pourquoi c'est S-Rimmer? Parce qu'il a une extrémité active en S avec
des bords internes tranchants et des bords externes latéraux qui sont lisses et plats. Donc au fur et à mesure que ce S-limb va progresser au niveau du site de forage, les bords coupants vont couper l'os et les espaces vides vont décharger ces copeaux osseux et les rendre plus fins. De cette manière, ils vont être emprisonnés au niveau de ces espèces de chambres osseuses, ce qui va être plutôt constituer plutôt une sécurité par rapport à la membrane sinusienne. Donc, sur ce S-limb, on va pouvoir monter différents stops de différentes hauteurs selon le choix qu'on va faire, mais aussi il faudra faire le choix du diamètre du S-limb. Et généralement, pour le choix du diamètre du S-limb va dépendre du diamètre de l'implant qu'on va mettre et aussi de la partie de l'implant qui va être engagée à l'intérieur du sinus. Donc, lorsqu'on va actionner ce S-limb, bien sûr, sur contre-angle à 1200 tours par minute, il faudra faire une petite pression. Pourquoi cette pression? Mais bien sûr, elle est contrôlée, cette pression. C'est pour voir cette espèce de disque entre le S-limb et la membrane sinusienne qui va permettre de la soulever. Sinon, si on ne va pas faire cette pression, on n'aura pas ce disque et en plus ça va prendre beaucoup, ça va être trop lent pour arriver à l'élévation de la membrane sinusienne. Il n'y aura pas de risque de perforation puisque le S-limb est plutôt inoffensif vis-à-vis de la membrane sinusienne. Donc, rapidement, ces différentes étapes de l'utilisation du sinus crystal approach. Donc, on va commencer d'abord par le foret initial et sur le foret initial, on va monter le stop adéquat. Comment on va choisir ce stop? C'est la hauteur résiduelle sous-sinusienne moins 1, c'est-à-dire si on a une hauteur sous-sinusienne de 5 mm, on va choisir un stop de 4 mm et on va forer jusqu'à cette profondeur. Donc, durant ce forage initial, on va faire notre point d'impact et on va aussi correctement choisir notre axe de forage. Ensuite, on va terminer la séquence de forage jusqu'à la fin. Si on utilise des implants néobiotiques, ce sera jusqu'au foret d'évasement. Ensuite, là, on va passer au S-limb, on va passer réellement au lever de sinus avec le S-limb. Donc, on va choisir le S-limb. Comment on va se faire le choix? Par exemple, avec cette hauteur résiduelle sous-sinusienne de 5 mm, on a choisi de mettre un implant de standard de 4 mm de diamètre et avec une longueur de 10 mm. Donc, ceci veut dire que c'est un implant standard. Donc, le choix va se faire entre le diamètre 2,4 ou le diamètre 2,8. Mais comme la partie de l'implant qui va être engagée à l'intérieur du sinus est supérieure à 3 mm, la partie qui va être engagée dans le sinus pour cet exemple est de 5 mm, donc on va plutôt choisir le S-limb de 2,8. Donc, comme je l'ai dit, le choix du S-limb dépend aussi de la partie de l'implant qui va être engagée au niveau du sinus. Lorsqu'elle excède les 3 mm, on va augmenter le diamètre du S-limb. Donc, une fois on a franchi le sinus et on a assuré l'élévation de la membrane sinusienne, on va utiliser notre jauge de profondeur pour vérifier cette profondeur et ensuite on va passer à l'étape de greffe osseuse avec les différents matériaux de greffe osseuse. Donc, comme vous l'avez bien vu, que ce soit au niveau du volet latéral ou de la bord par voie crestale, on a toujours eu recours à ce matériau de comblement. En fait, pourquoi on a besoin de ce matériau de comblement ou qu'est-ce qu'on attend de ce matériau de comblement? Tout d'abord, d'avoir la capacité d'induire
la formation d'une nouvelle structure osseuse dans un laps de temps entre 3 mois et 6 mois, d'avoir aussi un nouvel os en continuité avec les parois osseuses et indifférenciables de celle-ci, et aussi de permettre l'ostéointégration de l'implant mis en même temps ou lors du second temps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que différents matériaux ont été utilisés et que les matériaux les plus documentés au niveau de la littérature sont bien sûr l'os autogène et la xénogreffe d'origine bovine. Mais que les résultats au niveau de la littérature et les méta-analyses ont montré que l'os autogène et les matériaux d'origine bovine, c'est vrai que ces deux matériaux donnent les meilleurs résultats, mais finalement, quel que soit le matériau de tremblement qu'on va mettre au niveau du sinus, les taux de succès sont assez élevés et sont pratiquement similaires. Donc récemment, on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on attend de ce matériau de comblement? Finalement, ce n'est pas vraiment son pouvoir ostéogénique, puisqu'il n'y a que l'os autogène qui est ostéogénique, on ne peut pas avoir de grandes quantités d'os autogène pour combler un sinus. Donc, pratiquement, le rôle joué de ce matériau de comblement à l'intérieur du sinus, c'est le maintien de l'espace et c'est de servir comme une charpente ou comme un échafaudage à la formation de l'os. Ce qui nous amène à notre dernière partie, c'est vraiment a-t-on besoin de combler le sinus ou d'utiliser un matériau de comblement à l'intérieur du sinus. Donc, pour répondre à cette question, on va faire un petit tour au niveau de la littérature et on va viser, bien sûr, le sommet de la pyramide scientifique, c'est-à-dire les revues systématiques et les méta-analyses. Donc, c'est récemment qu'on a commencé à parler de ce problème de matériaux de comblement à partir de 2017. Et en 2017, il y a eu beaucoup de méta-analyses concernant les résultats des sinus lift par abord latéral sans apport de matériaux de comblement. Et que les résultats de ces études sont les suivants, c'est que les taux de survie après des sinus lift par voie latérale sans greffe varient de 96% à 100%. Comparé à ceux aux résultats obtenus par une greffe autogénique qui sont de 100%, donc on n'est pas loin. Pour le ISQ, c'est-à-dire l'implant stability quotient et le gain osseux après un abord par voie latérale sans greffe, que ce soit avec greffe ou sans greffe, il n'y a aucune différence significative. Et concernant les complications, lorsque celles-ci sont rapportées, ben les complications avec greffe lors d'un abord latéral sont beaucoup plus importantes. Donc, pour les méta-analyses concernant les sinus lift par voie crestale, là, on a un recul de plus de 5 ans. Et sur ces 5 ans, on a pu conclure que les taux de survie par voie crestale avec les ostéotomes de Summer sans greffe, les taux de survie sont élevés et ils vont jusqu'à 94,77%. Le gain osseux vertical, c'est vrai qu'il est beaucoup plus important lorsqu'on utilise un matériau de greffe, notamment le bio-os, il est de 4,8 et il est seulement de 3,8 sans greffe, mais c'est toujours il y a un gain osseux. Et la perte osseuse marginale entre les deux groupes, avec greffe ou sans greffe, elle est similaire. Et les complications, bien sûr, sont toujours plus importantes lorsqu'il y a un matériau de greffe. Donc, finalement, le simple fait d'élever la membrane sinusienne va induire une formation osseuse à l'intérieur du sinus. Et donc, comment? C'est généralement le rôle du caillot. Donc, le soulèvement de la membrane sinusienne et sa stabilisation avec la pose immédiate d'implant va permettre une formation osseuse consécutivement induite par le caillot. Donc, c'est
Juste le fait de provoquer ce dôme osseux, ce dôme à l'apex de l'implant qui va permettre l'ossification du caillot. En fait, ces implants vont servir de support à la membrane. Cet effet de tente va permettre au caillot de s'exprimer selon les principes de la régénération osseuse. Il ne faut pas oublier que ce caillot est une usine de facteurs de croissance qui a beaucoup de protéines morphogéniques qui vont permettre cette l'ossification secondaire du caillot osseux sans apport de matériaux de greffe. Donc, de plus, il y a certaines études qui ont montré que le simple contact du caillot avec la surface de l'implant va générer de la thrombine qui active les ostéoblastes et améliore l'effet de la croissance osseuse. Donc, et c'est généralement les surfaces implantaires traitées avec du fluor qui ont cette caractéristique. Donc, au niveau de cette diapo et sur les diapos qui vont suivre, donc, ce sont des cas qui ont été traités au niveau du service. Et il s'agit de l'utilisation du sinus crystal approach avec une légère modification. Et ben, chez ces patients, on n'a pas utilisé de matériaux de greffe, on a seulement utilisé des morceaux d'éponges de collagène qui vont servir seulement d'effet amortisseur entre l'implant et la membrane sinusienne. Et donc, ce qu'on a cherché à calculer, c'est la formation osseuse au niveau de l'apex de l'implant au fil du temps, c'est-à-dire après 6 mois de cicatrisation et après 8 mois lors de la pose des prothèses. Et donc, dans ces différentes coupes de scanner et ces rétroalvéolaires, vous allez pouvoir voir la formation du dôme osseux tout de suite après la pose de l'implant et ensuite l'ossification de ce dôme, progressivement l'ossification de ce dôme. Donc, chez ce patient, il y a carrément un éloignement de la corticale sinusienne par rapport à son état initial. Donc, toujours la même chose donc, sur ces différentes coupes de scanner. Donc là, chez cette patiente, donc on a une hauteur résiduelle d'os de 6 mm, mais on a plutôt opté pour un sinus lift par voie crestale puisqu'il ne s'agit pas d'un implant postérieur, mais plutôt puisqu'il s'agit là d'un implant postérieur et non pas d'un édentement intercalaire. Donc, vraiment, mettre un implant court serait un petit peu contraignant. Donc, plutôt, on a opté pour un sinus crystal approach et là, on a formation de ce dôme qui est en train de s'ossifier. Donc, finalement, comme vous le voyez très bien, la réponse à notre question, est-ce que vraiment on a besoin de combler le sinus? Eh bien, non, on n'a pas besoin d'ajouter un matériau de comblement au niveau du sinus, si la pose, bien sûr, seulement si la pose de l'implant est immédiate, c'est-à-dire par rapport crestal, si on envisage de poser immédiatement l'implant, par voie latérale, si on envisage de poser immédiatement l'implant, cet implant va servir, va permettre de soutenir la membrane et on n'aura pas besoin d'un matériau de comblement. Uniquement le caillot osseux va permettre la régénération et la formation de l'os. Donc, je vais conclure en vous disant... Je vais conclure par ce dicton de Philippe Arnaud qui dit « face, tu dois faire face et connaître le visage de ce qui va te faire peur ». Et donc, par ce dicton, je vous incite à aller aborder le sinus, le maxillaire postérieur et faire vos sinus lift. Il faut seulement choisir la technique adéquate, les matériaux aussi adéquats et surtout... faire le point sur les différents éléments qui vont faciliter votre approche chirurgicale. Et bien sûr, il faut obligatoirement suivre votre courbe d'apprentissage.
Donc là, je termine. Chi, my lecture is over. Can you come back? Yes, before to take my turn, Dr. Yes. Hella, please use the Q&A box. I believe there's a question comes up. Est-ce que l'injection Can du you read it, matériel... please? Yes. Alors, it's Khaled Bousbir. Est-ce que l'injection du matériau de comblement dans le sinus par voie cristale est capable de décoller la membrane sinusienne? Et est-ce qu'une pression importante lors de l'injection du produit de comblement ne provoque pas la déchirure de la membrane, surtout si celle-ci est très adhérente à la surface osseuse? Donc, l'injection du matériau de comblement dans le sinus ne provoque pas le décollement de la membrane sinusienne. Si on a opté pour la technique conventionnelle de Sommer, ce sont les ostéotomes qui vont permettre de décoller la membrane sinusienne. Si c'est le kit SCA, c'est le S-Rimmer qui va permettre le décollement de la membrane sinusienne. Ensuite, l'injection du matériau de comblement et la pression que ceci provoque, oui, peut provoquer la déchirure de la membrane. C'est surtout la résistance lors de l'insertion de l'implant. Lorsqu'on a inséré le matériau de comblement et qu'on va insérer l'implant, il va y avoir une certaine résistance. Et si on n'est pas délicat, c'est là qu'on peut parfois entraîner une déchirure au niveau de la membrane sinusienne. Voilà. Est-ce que c'est bon? Is it okay? Yes, Is yes. there more question now? I believe that's all for now. Yes. Please stop sharing your screen so I can. Okay.